Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. On est reparti. Donc le président m'a envoyé un message. Il m'a demandé il y a deux jours si nous étions là. Je lui ai dit qu'aujourd'hui que nous sommes là. Il m'a dit vous êtes jamais là quand on a besoin de vous. J'ai dit le week-end c'est sacré. Pour être de bons avocats, n'oubliez pas que nous sommes joignables par mail. Et là, il dit très bien, dites-moi. Donc, on va faire la conversation. On va voir exactement de quoi il avait besoin. Et on va essayer de joindre aussi Effie, évidemment. Sachant qu'elle devait régler 2-3 affaires par la même occasion. Oui, ma petite Effie. Allô. Je ne peux pas te parler, j'ai en otage cette putain de keuf, le capitaine, je suis à la station essence de Little Seoul. J'ai tout le SWAT, tout le FBI au cul. Oui. Je te rappelle plus tard. Ok. Ok. Vous voulez aussi? Oui, mais c'est plus aussi urgent que ça l'était auparavant. Station essence de... Sandy Shore? Non? Je crois qu'elle avait dit ça. Putain, bah ouais, on avait plus de véhicule. Il faut que j'arrive à... Oui, bonjour madame, excusez-moi. Madame, excusez-moi. Désolée, j'ai une intervention, monsieur. Oui, j'arrive. Ça a l'air important, j'arrive. Je vous suis, je suis avocat. Comment ça, vous arrivez? Je suis avocat, allez-y, allez-y. Mais j'ai pas besoin de vous, là, je vais sur une intervention. Vous avez besoin, on a toujours besoin d'un avocat, madame. Nous connaissons la loi. Descendez de ma voiture avant que j'appelle les flics, là. Non, n'appelez pas la police. Bah, vous allez pas monter dans ma voiture comme ça, je pars sur une intervention, il y a des... Descendez, monsieur. Non, mais il y a besoin d'avocat sur l'intervention, madame. Non, il y a pas besoin d'avocat, vous descendez tout de suite avant que j'appelle les flics ou que je vous plante. Alors, pouvez-vous tranquillement vous déposer quelque part, s'il vous plaît? Bah, je dépose le parking derrière, mais vous venez pas. Non, là où on récupère les véhicules, vous savez, madame, qui disparaissent. Je vous dis que je suis sur une intervention, je suis pas taxi, démerdez-vous. Vous appelez des taxis, ils sont là pour ça. Oh, station essence, oh putain. Bah, c'est là, Little Seoul. Ok, fourrière. Elle m'a laissé un véhicule, je vois pas pourquoi. Je ne saisirai pas l'opportunité, ni l'occasion, n'est-ce pas? Non mais Effie, faut pas qu'elle fasse la con. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Pouvez-vous m'accompagner? Qu'est-ce qui se passe, ça part en couille là? Pouvez-vous m'accompagner s'il vous plaît quelque part? La fourrière la plus proche à côté de Little Seoul, monsieur, est-ce que c'est possible? Ouais. Monsieur, ça a l'air d'être possible. Monsieur? Oui, monsieur. Vous pouvez m'emmener à la fourrière à côté de Little Seoul, s'il vous plaît? Bien sûr, le tonton de Effie. Oh, comment allez-vous? Togo. Bien, allez-vous, tranquille. Ah bah écoutez, ça va très très bien, ça va très très bien. Dites voir, que se passe-t-il à Little Seoul? Ça part en couille, je crois. En couille? Belle couille, ouais. Ou plutôt couille non, vous allez pas être content. Votre nièce, elle est dans des sales baudras, là. D'accord. Et vous alliez l'aider? Ouais, je voulais y aller, mais je suis tout seul ce soir. Ah. Et d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de monde autour. Très bien. Venez, je vous accompagne à la bonne fourrière. Venez monter. Oui, il faudrait que je prenne un véhicule et que je me dirige vers Little Seoul. J'ai vous allez essayer d'aider votre nièce, c'est ça? Ah, on va essayer, monsieur, mais j'espère qu'elle s'en sortira vivante. Je l'ai au téléphone, elle m'a dit que c'était miné autour. Miné? Ouais, miné, c'est-à-dire que des boyos. Comment ils s'appellent les forces spéciales là? GIGN? Non, ça c'est pas ici, ça c'est en Europe. FBI? Non, pas le FBI. Le RAID peut-être? Attends, non, c'est. Ça m'appelle, attends deux secondes. Bon, oh, allô? Non, non, pas du tout, j'ai bougé. Tu te rappelles? Je peux te rappeler ou pas? C'est combien, monsieur, pour récupérer un véhicule? Non, j'ai rien pour. Attends deux secondes, je te rappelle, il y a les poyos partout. $1000, je crois. Bon, mon véhicule n'est pas là, ça commence à me saouler, monsieur, je vous suis. Allez où vous voulez. Attendez. Vous avez commencé par où? Vous avez fait le parking central? Non. Ah, ben voilà. Un véhicule qui disparaît, un coup c'est ici, un coup c'est au parking central. Non, non, c'est au PC. Vous avez perdu. Trop vous donner de la tête, monsieur, hein? Ouais, je comprends, seigneur. Après, je comprends que vous gardez pas votre calme vu la situation de votre nièce, là. Justement, je sais pas trop, mais elle m'a appelé en panique et c'était très compliqué. Il y a le groupe d'assaut, j'ai oublié comment on appelle ça. C'est pas le RAID. Oui, c'est on en était au RAID. Non, c'est pas le RAID, c'est pas le GIGN, c'est le. Ouais, mes frères, ouais. Comment on appelle ça. Merci, monsieur. Allez-y, regardez, pas de problème. Superbe. Pas de problème. Allez-y, merci, bon monsieur. Courage. On se voit là-bas. À très bientôt. Oh là là. Et il est pas là. Je sais pas ce qui se passe en fait. J'essaye de comprendre qui sont ces hommes en blanc. Est-ce que vous croyez quand il n'y a pas l'appareil photo?
J'essaye de comprendre c'est qui en blanc là. Est-ce que c'est Effie ou pas? Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Toi monsieur? Vous allez bien? Oui monsieur, je vais demander de circuler, il y a des gens très dangereux ici. Oui, je comprends monsieur, je suis Sterling Cooper. Oui, je sais qui vous êtes monsieur. Vous savez qui je suis? Oui, je sais qui vous êtes monsieur, je vous ai déjà rencontré, vous savez pas qui je suis, mais je vous connais. D'accord, très bien. Dites-moi, il y aura sûrement besoin d'avocats dans pas longtemps, donc que se passe-t-il ici monsieur? Il y a actuellement une prise d'otage sur plusieurs agents de l'État, je peux pas vous en dire plus. Oh, mais c'est terrible, et qui... Je vous demande de circuler s'il vous plaît. Qui est impliqué monsieur? Bah, écoutez monsieur, c'est parce que vous êtes... Parce que vous êtes de la famille que je vous le dis, hein? Oui, je suis, oui, je suis de la famille, monsieur. Enfin, peut-être, ça dépend qui vous allez m'annoncer. Mais c'est votre nièce. Ah, c'est ma nièce. Et elle est toute seule? Ou il y a d'autres membres de la famille avec? Apparemment, d'après nos infos, il y a votre cousin aussi. Oui. Votre petit frère et le fils du chien du neveu. Très bien, mais écoutez, c'est rien de grave, je vais pouvoir circuler, monsieur, passer une bonne journée. Mais une agréable journée à vous aussi. Merci, monsieur, au revoir. Je vois pas comment elle va sortir de là. Ah ouais, putain, sur le toit, il y a un hélico. Je l'avais pas vu. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là aussi, 13, 14, 15. Sur le toit, sûrement 16, 17. Un sniper. Oui, allô. Oui, t'es où, Sterling? À pied. D'accord. J'essaye d'arriver. Oh, mais ah oui, monsieur, vous pouvez m'emmener à Little Seoul, à la station service Little Seoul, s'il vous plaît. Monsieur. Dites que c'est très important, Sterling. C'est très important, Sterling. D'accord, je monte. Vous êtes fort aimable, monsieur. Je suis avec un monsieur là, Cooper. Dis-lui de t'emmener à la station essence de Little Seoul. Alors, il faut m'emmener à la station essence de Little Seoul. Côté monsieur. Caméra, côté cinéma. Côté cinéma. Côté Weasel News. Côté Weasel News, on me dit au téléphone, monsieur. C'est très important, Sterling. Oui. Et sachez, monsieur, que c'est très important, on vient de me dire au téléphone. Waouh! On a failli mourir, Cooper. Je comprends, Sterling. Je comprends. Yuri, il y a des policiers. Je vous vois, Sterling. Alors, d'accord. Je vais t'expliquer, Effie est dans la merde. D'accord. Attendez, Cooper. Merci, monsieur. Combien je vous dois? Oh, mais c'est formidablement aimable. Écoutez, si vous avez besoin d'un avocat, ben, appelez le numéro des avocats, monsieur. Très bien, en vous remerciant. Oui, alors, Cooper, où es-tu? Je suis en face, Sterling. Bon, Effie est en pleine interpellation et ils sont à peu près une dizaine autour d'elle. J'ai vraiment peur que cette fois, ce soit la fin. Ah, que se passe-t-il? Ah, ben, tu es en train de le voir, Sterling. Oui, mais qu'a fait Effie pour ça? Oh, je crois qu'elle a pris 7 policiers en otage. D'accord, bon ça va, elle a un otage, elle craint rien. Oui, ça devrait aller. Tu veux peut-être que je l'appelle, non? Mais écoute, demande-lui si elle a besoin d'aide. C'est peut-être pas une bonne idée. Oui, ça répond pas. C'est quoi que je vois tous les gens là-bas? Elle est où, Effie, exactement? Je crois qu'elle est en blanc. Oui, tout le monde est en blanc, Cooper. Écoute... En tout cas, je vois beaucoup d'agitation dans le fond, là. Ça court de partout. Est-ce que tu veux tenter une petite approche discrète? Oui, il va falloir qu'on soit très furtif. Si, écoute, si on marche comme si de rien n'était, de ici à là-haut... Oui. Ils nous verront pas, on est derrière eux. Mais oui, on est derrière eux, monsieur. 15, allons-y, 68, Cooper. 66, Cooper. Que dit-elle? Attends, elle m'a envoyé, je ne comprends pas, elle m'a envoyé 15, 68, 66. Elle est en train de perdre son sens, ça veut dire. Oui, je crois bien, oui. Attends, Sterling, ne bouge pas, je te dis ce que je vois. Restons discrets, dis-moi tout ce que tu observes. Oh lolo, il y a 6 policiers qui font la queue leu-leu, Sterling. Oui, il y a une enculade. Il y a une personne à genoux, Sterling. Oui, d'accord. En plein milieu avec un homme qui pointe un pistolet dessus. D'accord, ça doit être un otage. Ça doit être le policier otage. Il y a un hélicoptère sur le toit d'en face, Sterling. Le toit d'en face? Oui, je ne le vois pas. Oui, bah oui, tu ne vois pas, il y a une palissade. Oui. Il y a 2 policiers sur l'hélicoptère. 2 policiers, d'accord. Snipers, Cooper? Oh, je pense que c'est des snipers, Sterling. Je m'y connais pas en armes, mais je pense que c'est des snipers. Oui. Sterling, est-ce que vous voulez mon avis sur cette situation? Oui, donnez-moi votre opinion, mon cher Cooper. Je pense que j'ai plus de nièce, Sterling. Oui, je pense quel avantage pouvons-nous tirer de cette situation, Cooper? C'est l'avocat qui est en moi qui parle, vois-tu? Oui, je comprends bien, Sterling, mais je crois qu'il n'y a pas d'avantage, Sterling. Oh, ils arrivent encore plus nombreux, Sterling, tu vas pas le croire. Oui, je crois qu'effectivement, elle va avoir besoin d'un avocat. Il y a un homme ou une femme en blanc, Sterling, avec une arme, un pistolet et un sac bandoulière qui fait l'intermédiaire, on dirait. Oh là là, il y a au moins 20 agents. Tu veux mon avis, Cooper? Oui, Sterling. On s'habille en blanc. On s'habille en blanc et on passe non loin. Comme ça, ils nous poursuivent et comme ça, ils libèrent ta nièce. Ils sont bien, Sterling. Tu crois vraiment qu'ils vont tous nous poursuivre? Si on a une bonne moto, à mon avis, Cooper. Je pense qu'il faut faire une diversion. As-tu un bidon d'essence, Cooper? Oui, Sterling. Ça me donne une bonne idée, Cooper. Mais t'as un briquet, Sterling? Alors, où est-ce qu'on pourrait trouver un briquet?
Ou une arme à feu. Oui, une arme à feu. As-tu le numéro de la personne qu'on a sorti de prison? Oui, je vais l'appeler immédiatement. Oui, appelle-le. Mais je crois qu'il est avec eux, finalement. Non, je l'ai croisé tout à l'heure, il n'était pas avec eux. Mais peut-être que maintenant, si. Donc appelle-le. Ah, mais je crois que j'ai pas son numéro, mon cher Cooper. Mais il faut l'appeler. Parce que si on met une voiture en feu et qu'elle explose, ça va faire une diversion, Cooper. Oui, je comprends, Sterling, mais comment veux-tu faire ça? Avec un bidon d'essence. Sterling, cette situation me stresse un petit peu. Oui, je comprends la nervosité. Oh là. Je reviens, Sterling. Oui, bien sûr. Si on allait tout simplement avec une voiture, avec ta voiture, aller chercher de l'essence, Cooper. Mine de rien, on fait comme si on n'avait rien vu. L'idée paraît pas très claire, Sterling. Oui, c'est pas net. Je dois reconnaître que c'est pas la meilleure idée. Ça manque de franchise dans tes idées en ce moment. Oui, mais tu sais, moi aussi je stresse, hein, voir autant de policiers armés devant une prise d'otage aussi puissante et attenante que celle-ci. Sterling, j'ai bien envie de prendre le risque de traverser comme si de rien n'était. C'est exactement l'idée que j'ai eue, Cooper. Que faisons-nous, hein? Est-ce que nous y allons, Sterling? Oui, faisons comme si nous devions aller chercher de l'essence. Attends, Sterling, non. Aller là-bas, ce n'est pas une bonne idée. Non, il faut qu'on traverse derrière et qu'on discute avec un agent. Oui, bien sûr. Attends. Oui, oh là là! Regarde tous ces agents, les mains en l'air. Oh là là, oh bah c'est plein d'otages. Sterling, ils vont avoir besoin d'un avocat tous. Oui. Allons leur demander. Non, Sterling. Tu sais, une balle perdue est vite arrivée, Sterling. Oui, je veux pas mourir bêtement non plus. C'est quoi ces numéros là? Est-ce que ce serait pas les numéros des agents, Sterling? Mais qui t'enverrait ces numéros, Cooper? C'est Effie, quand je lui ai envoyé un message. Eh ben je vais essayer d'appeler. Tu veux essayer d'appeler qui? Le numéro que t'as reçu. Mais je n'ai pas reçu un numéro, j'ai reçu trois numéros, Sterling. Eh ben j'essaye d'appeler un des numéros. Là, mais non, mais regardez, j'ai reçu trois numéros et il y a trois nouveaux agents. Je pense que c'était les agents. Et pour quelle raison elle t'enverrait les numéros des agents? J'en ai aucune idée, Sterling. Dans la mesure où ils sont occupés. Je suis pas dans sa tête. Moi je pense qu'il va y avoir du sang qui va couler, Cooper. Sterling, montez. Allez, allons-y. En deux temps. Il me semble que tu as une idée, Cooper. Est-ce qu'avec notre véhicule, on peut pas prendre un toit? Toi. Tu sais, en sautant sur notre véhicule, en utilisant notre véhicule pour gagner de la hauteur. Ah, c'est malin ça, Cooper. Il nous faudrait un autobus. Moi, ils ont prévu une ambulance. C'est quand même une bonne chose, Cooper. Ça m'a l'air d'être un sacré foutoir, si tu veux mon avis, Cooper. Ouais. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. J'ai cru comprendre qu'il y avait une compétition de motocross ici. Est-ce qu'on peut y participer, dis-moi? Non, s'il vous plaît, allez-vous-en. Il y a une prise d'otage et un terrorisme. Ça va tirer dans le sens, donc s'il vous plaît, allez vous cacher. Attends. Un terrorisme et ça fait de la motocross? Dis donc, monsieur, là, dis donc. Il roule n'importe comment, c'est dur. Mais dégagez les lieux, si vous voulez pas me prendre une balle, en fait. Mais nous ne sommes pas sur les lieux, madame. Regardez, il y a écrit ne pas traverser là-bas, madame. Mais vous allez pas être là. Bougez là, non. Madame, nous sommes avocats, madame. Madame, nous sommes auxiliaires de justice. Regardez, écoutez. On va pas prendre de balle, madame. Il y a écrit ne pas traverser, là, à 3 mètres. Donc nous ne traversons pas, nous sommes encore dans nos lois. Nous connaissons la loi, madame. Ces voitures, là. C'est les gens qui. C'est les otages qui s'en vont, a priori. Ils sont bons, tout le monde s'en va. Et ben c'était une fausse alerte de Sterling. En fait, les gens viennent et partent. Pourquoi vous leur dites pas à eux de pas rentrer là? Parce que sont armés. Pardon, monsieur. Ils sont armés. Genre, ils viennent juste nous braquer de pas bouger. Ouais, mais mets des barres, c'est pas grave. J'ai pas compris. Casse-toi avec ta moto. En gros? Oh là là, ils sont bons. Oh, monsieur! Oh la vache! Ah bah le policier. Il a survécu. Il est passé en dessous. Il a survécu. Allez l'aider, occupe-toi de lui. Ce pauvre homme. Aidez-le, mais occupez-vous de ce pauvre homme. Nous connaissons la loi, attention. Vite, prends la voiture, on va suivre l'autobus. Oh, mais heureusement qu'on n'est pas pressé. Heureusement que c'est pas une course poursuite, mon Sterling. Oui, heureusement, Cooper. On a notre temps, Cooper. Mais je le prends. Ne fermez plus la voiture la prochaine fois, si vous voulez mon avis, Cooper. Oui, mais on va nous la voler, Sterling. Oui, mais il faut l'ouvrir maintenant. Oh putain. Impossible contre la vol, celle-là. Heureusement qu'il n'y a aucune urgence, mon cher. Non, il n'y a pas d'urgence, Cooper. Prends ton temps. Ne panique pas, Sterling. Je ne panique pas. C'est fermé, Cooper. Mais c'est fait beaucoup. Attends, il faut pas que tu essayes, Sterling. Je mets le soleil. Voilà, c'est bon. Oui, ça marche, Cooper. Oui, attends. Non, ah. C'est bon, de temps. Oui, mais ils sont où? Gauche. Écoute, mon Sterling, si tu voulais mon avis, je pense qu'il aurait fallu y rester. Rester là-bas et discuter. Pour se mettre l'agent qui s'est fait écraser dans la poche. Ah oui, c'est pas bête. De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? Ben oui, mais je sais pas, parce que je t'ai juste écouté. Les a perdu, de toute façon.
Heureusement qu'il n'y avait aucune urgence, Sterling. Non, non, il n'y avait pas d'urgence. Avez-vous sauvé le pauvre policier? Oui, toujours. Est-ce qu'il y a des blessés ou pas? Bah, il y a le gars qui était là. Mon cœur est meurtri, madame. Vous, ça va? Vous avez rien eu? Nous, ça va, nous, mais on était choqués quand même comme de ce qu'on a vu. Ça sert à rien, quoi. Y a-t-il une cellule psychologique à l'hôpital? Oui, y a-t-il une cellule psychologique? Parce que là, nous sommes cellule psychologique, c'est la dame là-bas qui fait ça. Oui, je suis psychologue, monsieur. En plein milieu oui, nous sommes, nous sommes avocats au gros barreau et nous sommes choqués, madame. Nous avons vu quelqu'un se faire écraser sous nos yeux. Là, je me doute. Vous voulez que je vous donne mon numéro? Comme ça, vous me recontacterez demain. Oui, madame. Nous avons besoin de soins bosse. Médicaux, je pense. De soins médicaux? Ah bon, oui. attends. D'une aide médicale, c'est ça que je veux dire. Oui, d'une séance psychologique. Oui, oui, d'une madame. D'une séance oui, madame. De chamanisme, ah, si vous voulez. Si vous voulez, je vous donne mon numéro et comme ça, on se fait des organes. Oui, bien sûr, madame. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est 1054. À quel nom, madame? Amy, A-M-Y. A-M-Y, je note, je note. Où sont partis toutes les tournois de motocross, tout ça, bah, madame? Je sais pas, vous savez, comme d'hab, on nous appelle et on en sert pas votre numéro que vous, déjà. Partout, ils s'en battent tous les couilles. Je comprends 54. Bien, madame. C'est fort frustrant. Je pense que c'est une affaire bien résolue. Oui, nous avons fait un travail exemplaire, mon cher Cooper. Exactement, encore une affaire rondement menée. Nous pouvons donc traverser, non? 15 et 68, à bientôt, le monde est à vous. 15 et 68. D'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris. Je me suis ruiné, j'ai mis ma paye dans 4 canettes. Tu vois ce qui s'est passé sur Twitter Je n'ai pas tout vu. 15 et 68, le monde est à vous. Donc je pense qu'ils ont été relâchés. Et donc, c'était donc... deux des trois numéros. Il reste donc 66 qui est otage toujours avec Effie. D'accord, d'accord. Mais ça veut dire que ça se passe bien, quelque part, son périple. Oui, c'est un bon périple. Si tu veux mon avis, Sterling, c'est un bon périple. C'est une belle aventure. Elle vit sa jeunesse. Voilà. Que jeunesse, elle rattrape des moments qu'elle a pas pu profiter. Tu vois, Sterling. Est-ce qu'on n'a pas... Oh, une canette m'a été prélevée de mon compte bancaire. Est-ce que tu peux envoyer un petit tweet pour savoir un peu plus en anonyme sur la situation? Bien sûr, j'envoie immédiatement un tweet en anonyme. Demandez où sont les otages. Mais y a rien ici, Sterling. Ça sert à rien, on perd notre temps à être ici. Oh, Sterling, la course-poursuite ne fait que commencer, Sterling. J'ai envoyé un petit message. Sterling, vous inquiétez pas. Oh là là, vas-y, rattrape-les, oui, Cooper. Oui, Sterling. Oui, la loi nous attend, Cooper. A priori, pourquoi ils y vont à pied, là? Va les rattraper, va les... Ils les ont arrêtés, Sterling? Ah oui, ils les arrêtent, hein, effectivement, là. Il y a une arrestation, Cooper. Ça va être à nous d'intervenir, maintenant. Bah dites donc, juste en face de nous, Sterling. Oh bah ça. Ah bah oui, bah je suis choqué. On ne bouge pas, Sterling. On attend que cette affaire se désépaississe. Ouais, ouais, les mecs. Oui. Faites attention à vous. Oui, monsieur, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Dites-nous. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je vous connais, vous inquiétez pas. Je suis un des potes à F. Rassurez-moi, elle est en sécurité, monsieur. Ouais, elle est en sécurité, vous inquiétez pas. Ce soir, faut juste faire attention à vous. Pourquoi? Par rapport à quoi? Dis, ce soir, vous allez avoir du taf, à mon avis, les avocats. Oui, bien sûr. Oui, 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 arme, oui, nous sommes prêts pour parce toute situation. Parce qu'il va falloir libérer des gens. D'accord. Oui, est-ce que vous avez une arme à feu, monsieur? Non, j'ai pas d'arme à feu. Non, parce d'accord. Que nous avons un bidon d'essence. Non, parce que nous avons un bidon d'essence. Ouais, ça va. Bidon d'essence, tu fais avaler l'essence à quelqu'un. Oui, non, c'est pas pour ça. C'est au cas où on est en panne. Non, monsieur, si je vous ai dit, faites attention à vous, parce que sommes-nous personnellement en danger, monsieur. Faites attention à vous aussi. Et si jamais vous devez faire sortir quelqu'un de cellule, en priorité, il faut faire sortir Tyris, ouais. Tyris. D'accord, on va aller au commissariat. On va au commissariat, on s'occupe. Mettez filles en sécurité, monsieur. Aussi, il n'y a pas de souci. Vous faites confiance. Pourquoi on est en danger, monsieur? Non, vous n'êtes pas en danger, c'est faites attention parce que c'est la police dur, elle tourne beaucoup. Hein. Oui, mais la police elle peut tourner, elle tourne. Faites attention à vous et dites à Effie de m'appeler quand elle est en sécurité. Ok, pas de soucis. Je m'occupe de votre homme. Vas-y, d'ailleurs, on va au commissariat immédiatement. À très vite, monsieur. Ok, allez, après, pas de soucis. Tiens. Je pense qu'il ne sortira jamais d'ici, cet homme. Oui, ça arrive, on pourra rien faire. On y va vraiment, on fait notre boulot et nous connaissons la loi. Non, mais il m'a fait peur quand il m'a dit faites attention à vous, Cooper. Oui, mais je comprends, mais il mettait beaucoup de suspense aussi. Ou pas grand chose, j'ai bien l'impression, mon petit Sterling. Sterling, il est temps de reprendre du travail. C'est là qu'on intervient, mon cher Cooper. Nous connaissons la loi. C'est là où nous excellons, j'ai envie de dire. Exactement. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a personne. Oui, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils n'ont pas été emmenés au commissariat, mon Sterling. Oui, et ça, c'est pas rassurant, si tu veux, mon ami Cooper. Oh, ah ben voilà. Bonjour, messieurs, qui est Tyris? C'est moi, ici à droite. Ah bah Tyris, vous pouvez sortir. Ah oui, photo. Pardon? C'est vous le blond, monsieur? Je suis là, t'inquiète. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Mettez-vous contre... Quelqu'un viendra vous aider. Bonjour, monsieur. Bonjour. Un plaisir de vous voir. Oui, qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur? Dites de tout.
Oh, disons qu'on a pris en otage plus des agents de la LSPD, qu'on les habille face à une station essence, c'est que... Non, vous n'avez pas fait ça, monsieur. Non, ça, ça non, vous... Non, c'est vrai, j'ai... Vous savez quoi, j'ai été corrompu par une méchante personne. Ah, c'est bien ce qu'on pensait, monsieur. Voilà, c'est bien ce qu'on pensait. C'est bien ce qu'on pensait. Qui vous a obligé, bien évidemment, à suivre son plan sous peine de vous tirer une balle dans la tête, c'est bien ça. Bonjour, monsieur les avocats. S'il vous plaît. Bonjour, okay. Monsieur. En arrivant, on s'occupe de lui et on vous l'amène. Donc vous avez, si je comprends bien, vous avez reçu des menaces de mort. Monsieur, vous avez reçu des menaces de mort. Vous impliquant... Dans la cellule, la fouille toujours. Oui, dans la cellule. Si vous ne faisiez pas ce qu'on vous disait, on abattait vous et votre famille, c'est bien ça. Tout à fait. Oh, monsieur Tahiris, cette histoire est incroyable. C'est très triste, c'est très triste. Et on va s'occuper de vous. On va s'occuper de la loi, monsieur Tahiris. Et partez du principe que vous allez dormir là, quand même. Ça, je m'en doute, oui. Nous connaissons la loi, mais vous allez dormir ici, monsieur, je pense. Y a aucun souci, j'ai déjà préparé mon itouï. Voilà, voilà. Mais on va faire quand même... On va faire le nécessaire, monsieur, on va faire le nécessaire. Nous connaissons la... Monsieur l'agent, s'il vous plaît. Oui, dites-moi. Est-ce que vous pourriez faire sortir notre client de ces lieux? Pour qu'on aille en salle d'interrogatoire, monsieur. Oui, en salle d'interrogatoire pour parler avec notre client. En toute intimité, en tout bien, tout honneur, tout bien, tout honneur. Allez-y, ouvrez la voie, monsieur l'avocat. Vous pouvez sortir, monsieur, venez. On a besoin de... J'ai besoin d'un avocat pour monsieur l'avocat. Oui, on fera après. Mais il faut appeler les avocats. Hein. C'est bien, c'est bien. Vous connaissez un peu les lieux, monsieur les avocats. Oui, oui, on connaît la loi, on connaît les lieux, monsieur. C'est pas la bonne pièce, c'est pas la bonne pièce. C'est pas grave, c'est une très bonne pièce. Non, c'est pas une bonne pièce. Non, l'autre. C'est celle-là. Je voulais voir que personne ne nous écoutait, monsieur. Allez-y. Bien évidemment, on va devoir être en huis clos. Oui, on vous laisse. Je ferme juste la porte à clé par sécurité. Bien sûr. Non, je suis claustrophobe. Ah, tant pis. Ouvrez, s'il vous plaît. Non, vraiment, je suis... S'il vous plaît. Très bien, monsieur, c'est bon. S'il vous plaît. Oh là là, je n'aime pas ça. Bon, monsieur. Alors, monsieur. Votre nom, votre prénom, s'il vous plaît. Ah, il faut servir, ok. Tahiris Boone. Tahiris Boone. T-Y-R-2-E-S-E. Monsieur Tahiris. Donc, vous êtes une victime. Un peu moins fort, monsieur l'avocat, s'il vous plaît. D'accord. Bah, écartez-vous, monsieur. Et Boone, B-O-O-N-E. Voilà, c'est bon. Un peu, parce que sinon, vous allez entendre des choses qui sont pas reluisantes. Non, on n'entendra rien, les murs sont... Oui, bébé, je suis pas sûr. Parce que là, je parle pas moins fort. Parlez un petit peu moins fort, Sterling, ça va le faire. Écoutez-moi, vous allez nous assommer et partir en courant. C'est le seul moyen pour vous de vous sortir. Non, n'écoutez pas. Ouais, c'est bon. Mais, ouais, ce sera encore pire que lui, là. Parce que si j'ai beau faire ça, il faut m'attendre au prochain coup. Bon, monsieur Tahiris, qu'avez-vous fait? Il faut parler, monsieur. Je vous écoute, en fait, je vous entends pas, donc je vous écoute. Vous m'entendez? Vous m'entendez, mais vous écoutez pas, monsieur. Alors, je vous entends, mais pas votre collègue. Mon collègue, il vous entend et il vous écoute. Là, vous m'entendez, monsieur? Dites-moi, j'ai monsieur, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Voilà. Bon, monsieur Tahiris, qu'avez-vous fait? Officiellement? Oui, normalement, personne ne nous entend ici. Personne ne nous entend, n'est-ce pas? Oh, personne ne te répondra, vu que personne ne nous entend. Personne ne nous entend. Mais oui. Excusez-moi, monsieur le policier. Attendez, j'ai une idée. Monsieur le policier, s'il vous plaît, monsieur le policier. C'est bon, Sterling. Personne ne peut nous entendre ici. Donc, officiellement, qu'avez-vous fait? À l'aide, le fugitif s'enfuit. Personne ne nous entend, c'est moi. Officiellement, j'ai aidé madame Cooper excusez-moi, à prendre en otage et séquestrer des policiers à la présence de l'étude. Très bien. Combien de policiers avez-vous séquestrés? Oh, bah. Selon les rumeurs. Attendez. Ouais, alors je t'explique, je viens de faire un putain de gros coup. Oui. J'ai des gars à moi qui se sont fait choper. Depuis quand on fait des bavures? De la merde. Oui, je suis en face d'une des personnes, Tahiris. Ouais, et il y aura pas que Tahiris. Toutes les personnes qui vont arriver ce soir, va falloir que tu leur sauves le cul, tonton. Ok, on va essayer. Alors, ils risquent de dormir ici quand même, hein. Je pense, ouais. Oui, voilà, je préfère te prévenir tout de même, mais on va essayer, on va faire de notre. On va faire une évasion. Pas d'évasion, Sterling, pas d'évasion. Est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen... Oui, dis-moi. ...de me faire passer pour une avocate pour que je puisse rentrer et que je le fasse sortir, ou c'est trop compliqué, ils sont enfermés et tout, oui, c'est... Ça me paraît très compliqué, cette histoire. C'est trop compliqué, je me rends pas compte, je sais pas où ils sont, s'ils sont... Mais moi, je m'en rends compte et ça me paraît très compliqué. Il y a des fusils d'assaut, des fusils à pompe, je m'y connais pas trop, mais c'est des armes de guerre, hein. Ok, ça marche, bon, vas-y, je te fais confiance en toi. Oui, je m'occupe d'eux. Ok, merci. Bisous, hein, et fais attention à toi. Ça marche, à plus tard. Elle est adorable, c'est ma petite fille, elle est adorable. Alors, qu'en est-il? Bon, du coup, Suplace, il y avait 6 agents de police. Pour répondre, Cooper. C'est pas intéressant. Elle voulait que je la fasse rentrer, mais je lui ai dit que c'était un aller simple pour l'enfer. Oui, non. Donc, il y avait 6 policiers ensuite. 6 policiers. 2 nous intéressaient principalement. C'était 68 et 15 qui font l'objet d'énormément de bavures en ce moment. Très bien. Donc, vous avez voulu faire justice vous-même, en gros. Disons que ces agences permettent des bavures, alors je pense qu'il faut leur tourner alors, l'oreille. Attendez. Là, j'ai peut-être quelque chose de très intéressant. Nous connaissons la loi. Vous avez donc été, si je ne
m'abuse, en version officieuse, chercher des canettes de Coca-Cola pour vous substanter, vous et vos amis. Et vous êtes tombé donc sur ces 2-3 policiers, c'est cela ? Oui. Ces 2-3 policiers ayant abusé de vous ou d'amis à vous. Vous aurez frappé par hasard. Ils ont tenté de voler ma canette de Coca et menacer avec leur matraque. C'est un crime très grave, ça, Sterling. C'est un crime très grave. Surtout, le prix de la canette de Coca est très élevé en ce moment selon le code de la bourse. $240, vous imaginez ? On imagine. Monsieur, au CAC 40, je peux vous dire que le Coca-Cola a bien monté. Donc d'accord, il a essayé de vous shipper votre canette, je le note. Tout à fait. Ce à quoi vous avez rétorqué par, il faut l'avouer, une insulte. Oui, bien sûr, en le disant « poussez-vous à l'autrui ». Voilà, ce qui a énervé le policier et qui se met à vous tabasser. Ce quoi, vous et vos amis, avez fait un mouvement de solidarité et de désobéissance civile, je pense que c'est un acte de désobéissance civile, mon cher Cooper. C'est-à-dire que face à une injustice de l'autorité, notre client a fait fi de ses droits à la vie, tout simplement, en faisant une riposte. Malheureusement, ça a dégénéré en prise d'otage parce qu'ils ont appelé des collègues. Et du coup, pour sauver leur vie, parce qu'ils savaient que là, c'était toute la marda policière qui allait débarquer, ils ont prévenu qu'ils tenaient en otage des gens. Mais ils ont cru que c'était une prise d'otage, mais en fait, c'était pas, à la base, c'était pas une prise d'otage, Cooper. Il y a eu un quiproquo. Une rixe, mon pote. Voilà, c'était une rixe. Et quand ils sont arrivés, ils ont fait prise d'otage. Alors que même les preneurs d'otage ne savaient même pas que c'était une prise d'otage. Vois-tu, Cooper ? Il y a à peu près 0,1% que ça passe, mon cher Sterling. Oui, tout à fait. Je le sais. Mais je suis tout excité et tout emballé par cette Oui, je comprends. Peut-on revenir sur l'affaire où vous avez reçu un appel qui vous menace de prendre en otage 2 personnes et vous avez été menacé en échange de quoi, monsieur ? J'ai été menacé du fait que, ben voilà, si j'étais pas si personne avait volté, ils s'en prenaient à ma famille et tout ça. Si vous preniez pas en otage 2 policiers avec des numéros bien spécifiques qui étaient 16 et 68... 15, oui, note Cooper, note. C'est moi, Cooper. Je note. Donc, 16. Oh, c'est 15. Là, tu vois, heureusement que j'ai noté. Tu vois, Sterling, si je n'avais pas noté, je l'avais oublié. T'aurais fait la bêtise. Donc, 15 et 68. Et si vous les rameniez pas morts ou vifs, votre famille j'étais mort. Et vous étiez mort. Exactement. Est-ce que vous avez des parents encore en vie et des enfants ou une femme, peut-être ? Atlanta, oui. Voilà, et ben ils allaient mourir. Ouais, enfin, j'espère pas, du coup, mais... Avez-vous des amis aussi, ici ? Oui. Oui. Qui aurait pu être menacé ? Qui aurait pu... Je sais que quelqu'un avait déjà été menacé par Madame Cooper. On a fait une vidéo d'ailleurs, c'est Madame... La maman de mon collègue a menacé. Est-ce que vous pensez... On est d'accord que Effie veut être la plus recherchée ? Bien sûr. Donc si on l'a chargée... Si on lui mettait tout à dos... Bah mettez qu'elle va embrigader. J'ai une idée pour le faire sortir ce soir, Cooper. Écoutez bien ça. Attends, parce que je vais appeler et voir si ça la dérange tout de même. Oui, attends, et tu lui dis qu'on va collaborer, que notre client va collaborer en échange d'une remise de peine et qu'il va porter un micro. Oui, Effie. Oui, allô. Oui, écoute, j'ai peut-être une idée, ma petite Effie. Non, moi aussi. Tu écoutes ou pas ? Allô, tonton ? Oui, tu m'entends ? C'est mieux un bracelet qu'un micro. J'ai peut-être une idée, écoute-moi, ma petite. Dis-lui. On est d'accord que si on te met tout à charge, ça t'arrange ? Bah, bien sûr que ça m'arrange. Donc, nous allons tout te mettre à charge et nous allons créer... 56 de mon autre. Nous allons donc te mettre tout à charge. Vous avez l'autorisation, messieurs. Et nous allons... Oh là là. Écoute, vois tes SMS parce que j'ai l'impression que nous sommes écoutés ici. Ok. Bravo. C'était ta maman, c'est bien ça ? C'était ma maman. Elle va bien. Elle passe le bonjour, Sterling. Assieds-toi correctement, Cooper, tu vas te faire mal. C'est une très bonne idée, mon cher Sterling. Ça y est, je me rassois enfin. Oui, non, c'est une très bonne idée. Notre client va collaborer contre une remise de paie. Et pas que notre client. Vous êtes combien à avoir été arrêté dans cette affaire ? On va tous vous représenter. Et ben, au moment où là, on est, je suis sorti de cellule, je crois qu'il y avait 2 personnes qui venaient d'arriver. Ok. Je vais aller chercher les autres. Oui, allez chercher les autres. 1 million. Est-ce que vous pouvez enregistrer ça, monsieur Tyrese ? De study. 1 million de dollars, c'est bien ce qui vous a été demandé, monsieur Tyrese. Bien sûr, c'est ce qui m'a été demandé, 1 million de dollars. En échange de capturer des policiers pour madame Effie Cooper. Tout à fait, sous menace de... Voilà, donc en que fait, ma famille soit morte. Si, c'est ça. C'est soit vous refusez et vous mourrez, soit vous acceptez et vous avez 1 million. C'est bien ça. C'est ça, tout à fait. D'accord, c'est noté. Je vais chercher les autres clients. Encore ma nièce qui a dérivé. Hein. Oui, mais c'est pas grave.